Le 7-9 de Patrick Cohen. Oui, la question de l'immigration ne fait pas partie des premières préoccupations des Français, d'après les enquêtes d'opinion, mais elle est omniprésente dans le débat public depuis près d'un mois. Il y a eu Manuel Valls et ses propos sur les Roms, dont le mode de vie serait en confrontation, a-t-il dit sur France Inter, avec celui des Français, les drames de Lampedusa, l'afflux de migrants venus d'Afrique, l'affaire Leonarda, l'UMP de Jean-François Copé qui veut revoir le droit du sol et les conditions d'acquisition de la nationalité française et maintenant le gouvernement qui confirme son intention de réformer le droit d'asile. D'où la question ce matin, la France doit-elle changer de politique migratoire On en débat avec Michel Tribala, bonjour. bonjour. Vous êtes démographe à l'Inet, vous avez publié à la rentrée « Assimilation, la fin du modèle français » aux éditions du Toucan. Face à vous, Sandrine Mazetier, bonjour. bonjour. Vous êtes députée de Paris, vice-présidente de l'Assemblée nationale et OPS, secrétaire nationale à l'immigration. Michel Tribala, d'abord, quelle est la réalité Aujourd'hui, de l'immigration étrangère en France, du flux d'immigration On entend d'un côté que les chiffres n'ont guère évolué depuis 15 ans, de l'autre que les vannes ont été ouvertes depuis le retour de la gauche au pouvoir Non, en fait, le, si vous voulez, il y a eu, avec un petit peu de recul historique, on voit qu'il y a eu une période d'accalmie de, de, migratoire qui a duré un quart de siècle, c'est-à-dire entre 1975 et la fin des années 90, et qu'on est entré. Euh, à vrai dire, depuis le, le, la, la moitié des années 90, dans une nouvelle vague migratoire qu'on a eu tendance à sous-estimer parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc, on a. Pourquoi on l'a sous-estimé On l'a sous-estimé parce qu'on n'a pas non plus des informations statistiques qui sont très élaborées. Quand on regarde avec des mauvais outils, c'est-à-dire souvent à partir du solde migratoire global de la France qui comprend les mouvements d'étrangers nationaux, ça réduit l'importance du phénomène. Mais quand on le regarde autrement, par rapport à l'accroissement, euh, par exemple, de la proportion d'immigrés sur les dernières années, 99-2009, on s'aperçoit que. L'accroissement relatif moyen annuel est de, du même ordre que celui qu'on a connu pendant les 30 Glorieuses. C'est-à-dire, pour parler en chiffres et ou en valeurs absolues, le chiffre euh, des, officiel des entrées, de 200 000 entrées, euh, cet ordre de grandeur qui existe depuis des années Oui, c'est un chiffre qui avait été établi euh, à l'INED. Euh, et donc, on, on, on a le chiffre depuis 1994 jusqu'à 2008. Mais à l'INED, il n'y a plus personne pour faire le travail. Donc, euh, ah bon donc euh, aujourd'hui, euh, on, on, on se retourne vers les chiffres publics par le ministère de l'Intérieur, qui oui. ne sont pas exactement confectionnés de la même façon. Donc, euh, en 2008, il y avait euh, 211 000 entrées d'étrangers euh, en France. Est-ce qu'on sait qui sont euh, ces immigrés Qui sont-ils Quel âge Quel profil ah ben on sait, on, on sait qu'ils viennent euh, en grande partie d'Afrique, euh, Maghreb, euh, Maghreb-Afrique subsaharienne, euh, de plus en plus d'Asie aussi, euh, si vous voulez, et, et bon, les âges... Des gens plutôt euh, jeunes des gens, des gens plutôt jeunes, oui. Entre des gens, euh, d un, d un, 25 35 ans D'âge actif, euh, peu de mineurs. Les mineurs, par exemple, ne sont pas comptés dans le ministère, par le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a... La, la base de, de, du comptage est faite sur les, les titres de séjour. Donc. Sandrine Mazetier, que dites-vous du niveau actuel de l'immigration en France Qu'il faut le réduire, qu'il faut le modifier, qu'il faut. D'abord, il y a la question de l'immigration régulière et de l'immigration irrégulière. On mélange souvent les deux. Et puis on a tendance à, à, à ne parler que de la question d'immigration irrégulière et jamais à s'interroger sur ce que devrait être une politique migratoire, c'est-à-dire pour quel motif, pour quelle durée, dans quelles conditions on peut venir en France, circuler en Europe. Euh, avec un avec un titre de séjour et c'est un petit peu euh, l'option que propose qu'a proposé le président de la République d'ailleurs pendant le, le débat de la campagne présidentielle c'est-à-dire de pacifier ce sujet qui est un peu obsessionnel compulsif dans le débat public euh, français qui est toujours instrumentalisé on le voit dans la dans la séquence euh, actuelle pour euh, s'interroger sur les règles pour des des règles claires stables justes euh, qui permettent à chacun euh, de prendre des décisions euh, rationnelles. Bon, alors, question euh, soulevée euh, notamment par euh, l'UMP, mais pas seulement, la France est-elle le paradis des migrants Le président de l'UMP euh, disait euh, lundi matin, ici même, la France est le pays le plus attractif en Europe pour les immigrés. Ça pose la question de la euh, motivation euh, des gens qui euh, viennent s'installer, euh, de ce chiffre de 200 000 euh, que vous pensez sous-évalué par an. Michel Tribala, euh, quelle est la réalité non, de cela je pas dit qu'il était sous-évalué, je disais qu'il était mal connu. Euh, C'est-à-dire, quand je vous parle de 211 000 en 2008, c'est le dernier chiffre qui est bien établi. Et comme l'INEN ne travaille plus sur la question, on n'a pas à continuer la série, mais bon, on doit être à peu près dans les mêmes... Dans, les dans mêmes le même sens. ordre de grandeur. Voilà. Alors, la motivation, elle est... Euh économique, euh, bah, y les y gens y a, viennent pour travailler. Non, il faut savoir que la politique migratoire, euh, enfin, disons, elle est fondée sur des droits qui sont ouverts. Il y a une partie euh, travail qui est... Qui, bon, vous savez qu'il y a eu une suspension du recrutement de euh, travailleurs en, en 1973, donc euh, c'est fonction du marché du travail, il y a eu très peu d'entrées au motif du, tra du travail, et il y a eu beaucoup de flux qui ont été induits par les liens familiaux. C'est à peu et près 40% des entrées. Voilà, c'est 40 à 50% selon les années, et ce, selon la manière dont on compte euh, tout ça. Donc ce sont des droits. Et donc les droits, euh, ils sont soumis à certaines conditions. Et quand vous avez une politique qui est fondée sur du droit, si vous voulez moduler euh, le, le, la quantité, vous agissez sur la, les conditions de ces droits. Et c'est ce qui fait débat généralement, euh, ce qui a fait débat à plusieurs reprises euh, au niveau politique. Sandrine Mazetier, sur euh, la façon dont euh, les immigrés, les étrangers peuvent profiter des prestations sociales et sur... Euh la motivation que ça peut représenter dans leur, dans leur venue en France. Oui, donc si euh, la France était la seule destination migratoire euh, sur la planète, ça se saurait. Euh, le fait migratoire, Bernard Guetta le, le rappelait tout à l'heure, c'est un fait contemporain euh, qui ne concerne pas que le continent européen, qui est un continent de destination, mais aussi un continent de, de départ. L'écrasante majorité des migrants sur la planète euh, migrent du sud vers le sud. Euh, c'est des migrations régionales au, au sens continental du, du terme. La motivation économique est tout à fait centrale. Et puis il y a la question aussi des, des conflits ou des persécutions, qui est la question de l'asile, qui est gérée par une convention internationale que la France a ratifiée, la Convention de Genève. Et souvent, on a, on a tendance à mélanger, à mélanger les deux questions. Enfin, en Europe, est-ce que la France est le pays le plus attractif, le plus généreux, avec des droits sans limite et inconditionnels Ce n'est pas le cas. Les, nos, nos voisins accueillent plus davantage de, de migrants que, que la France. Il y a des pays qui ont connu en Europe une histoire migratoire très contrastée l'Espagne était longtemps un pays d'émigration il est devenu un pays d'immigration et puis à nouveau en ce moment les jeunes espagnols quittent l'Espagne pour des raisons économiques on voit que l'Allemagne essaie d'attirer du monde entier mais aussi au sein de au sein de l'Europe des jeunes qualifiés pour résoudre pour son, compenser son leur problème, problème démographique, leur déficience démographique oui. voilà donc euh, souvent, on mélange tout et, euh oui, vrai et ça permet tout. de ne pas poser la, la et, et, question si je, dans des je, 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 termes Michel, rationnels. Bah, ah oui, si oui. je peux me permettre, c'est si vous voulez, on mélange deux questions, c'est-à-dire on mélange le fait qu'on est enfin, la manière dont on évalue, pas pour notre histoire migratoire, la situation d'aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une vague intense ou pas, et qu'est-ce qui se passe par rapport à nos voisins. Mais les deux sont différents. Par exemple, le Royaume-Uni a accueilli beaucoup plus de de migrants euh, sur les, la dernière décennie que, que nous, il n'empêche que nous avons une nouvelle vague migratoire qui est comparable à celle qu'on a connue euh, pendant euh, les Trente Glorieuses, qui était une forte période d'immigration. Mmh. Donc il ne faut pas mélanger les deux, les deux registres. Bon, mais pour euh, conclure sur ce point, on ne peut pas dire réellement que les étrangers viennent en France pour euh, les droits sociaux qui sont attachés euh, à notre législation, euh, Michel Tribalat. Bah écoutez, euh, je veux dire, ça fait partie. De, 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 de l'attraction de, de ce pays, malgré tout. Je ne dis pas que les gens viennent ici pour en profiter, mais euh, je veux dire, ils, ils, ils pensent effectivement que la vie sera meilleure ici. Et s'ils n'ont pas de travail, ils sont bien contents d'être pris en charge quand c'est quand c'est le cas. Droit du sol, droit du sang. J'introduis ce, ce sujet qu'on va prolonger tout à l'heure dans Interactive après la, la revue de presse, le droit de la nationalité. L'acquisition de la nationalité française, Michel Tribala, on sait que ça concerne combien de personnes chaque année ça, 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 ça a varié. Je veux dire, ça a été, euh, été jusqu'à 100, 100, près de 160 000, 140 000. Là, ça a diminué parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises pour. Euh, pour limiter les entrées dans la nationalité, mais bon, c'est assez, assez conséquent, hein, je veux dire, chaque année. C'est-à-dire euh, bah, entre 100 et, et en, 200 000 en, personnes J'étais entre, entre, entre 100 et 150 000 suivant les années, euh, mais plutôt proche de 140-150 à un bon moment. Sandrine Mazetier Ça a varié récemment. Oui, ça s'est même ce que effondré récemment. Oui. Parce Là, on que parle de naturalisation. Été... Oui, absolument. Euh, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été euh, prises, euh, de réforme de l'instruction de la demande de, na de naturalisation, qui ont fait s'effondrer la naturalisation en contradiction totale avec euh, la, tradition, euh, la tradition française et la manière d'examiner la demande euh, de naturalisation avec euh, ce que la République a toujours... Euh, prévu euh, comme étant un mélange par exemple de droit du sol et de droit du sang. Hein, euh euh, Monsieur Copé a lancé un, un, un énième débat sur euh, le droit du sol, euh, la, la, la nationalité française. Le droit de la nationalité française, c'est un, un mélange de droit du sol et, droit du, et de droit du sang. On peut naître à l'étranger et être euh, français. On peut naître euh, en France de parents euh, euh, étrangers et devenir, euh, et devenir français. On peut devenir français par euh, mariage, même si euh, les, les durées d'attente sont de plus en oui. plus euh, longues. Mais surtout, ça évite de poser, de, 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 de reposer sans arrêt cette, euh, cette question, évite de parler des vrais, euh, des vrais sujets. Vous évoquiez euh, tout à l'heure la question euh, euh, de, du conflit euh, et la question tragique de, de Gade, où on a vu des, des salariés hier s'opposer à d'autres salariés. Franchement, le, la question de la nationalité des flux migratoires n'a à peu près rien à voir avec la désindustrialisation majeure qu'a connue ce, ce pays. Pendant dix ans, la droite a été en en responsabilité, elle n'a rien fait pour résoudre ces problèmes qui se posent réellement aux Français, et qui sont pas, font partie des premiers sujets de préoccupation des Français. Plutôt que de parler des solutions à ces questions tragiques, l'UMP euh, euh, reprend une vieille revendication bon, du Front National. Sandrine Mazetier, ça, ça permet d'éviter de, de formuler même, des solutions. Quand même des questions d'auditeurs et des réflexions qu'on va entendre tout à l'heure dans la deuxième partie. Après la revue de presse, Sandrine Mazetier et Michel Tribala, on vous retrouve tout à l'heure, il est 8h32.